بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير حذي محمد صلى الله عليه وسلم، والشرار محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله تعالى. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة أخوات. الحمد لله الحمد لله. Donc on reprend les cours aujourd'hui. Encore une fois, désolé un petit peu pour le retard. Non. On reprend les cours cet après-midi. Alhamdoulilah, et donc dans l'authentique des récits des prophètes. L'authentique des récits des prophètes. Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, toujours dans l'histoire de Isa. Et on approche de plus en plus de la fin de cette histoire. Non. Après, je ne sais pas. J'ai fait un sondage la dernière fois pour savoir quelle histoire vous vouliez faire. Je ne sais pas. Ensuite, il nous reste vraiment... Pas beaucoup de cours sur ce sujet. 20 pages. Donc, deux cours peut-être. Wallahu ta'ala a'lam. Et donc, après, quel prophète vous intéresserait? Quelle histoire prophétique? Non, on fera, inchallah, la question-réponse, peut-être même à la fin du livre, pas forcément ce soir, mais un sondage pour savoir après qu'est-ce qu'on fait, sur qui on se penche. Non, voilà. Et également, je voulais faire un audio en début de cours, pour parler de quelque chose, ou plutôt me repentir de quelque chose, mais je le ferai, c'est-à-dire en aparté du cours, puisque j'ai déjà plus d'une heure de retard ici, donc je ne veux pas non plus après vous prendre toute la soirée, voilà. Ça concerne, je vous en parle brièvement, mais je ferai un audio complet détaillé, ça concerne, on va dire, un comportement, une attitude que j'aurais pu avoir vis-à-vis de certaines personnes, et dans certains cas, en très 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 bref. Dire la vérité, c'est une chose, non. Traiter différents sujets, appeler au bien, c'est une chose, et réfuter le mal, c'est sûr que c'est une chose obligatoire, et c'est aussi sûr que c'est un mauvais rôle, parce que les gens des passions n'aiment pas forcément ceux qui critiquent les choses et qui condamnent le mal. Mais suite à des discussions avec certaines personnes qui m'aiment en Allah, et non pas des vipères ennemis qui veulent juste me détruire, des discussions sincères et franches, des bons conseils et une prise de conscience, je me rends compte que parfois je peux être un petit peu dur, voire même avec certains élèves. Donc l'orgueil ne mène nulle part de bon. Adam a fauté, Adam a péché, Allah lui a pardonné, et Shaitan s'est enorgueilli, Allah lui a pas pardonné. Donc il n'y a aucune raison de ne pas reconnaître ses erreurs. Ce qui ne veut pas dire que la da'wah est à jeter, ce qui ne veut pas dire que j'ai tout faux, non. C'est même pas faux dans ce que je dénonce, mais peut-être une manière plus sage, peut-être une manière plus douce. Mais douceur ne veut pas dire laisser et tolérer. Ah. Je donne un exemple très concret sur ce que je regrette, par exemple de dire que ceux qui s'affichent en couple sur les réseaux sociaux me font vomir. Parce que même si c'est vrai, en soi, oui, ils me font vomir. C'est quelque chose, ça m'insupporte au plus haut point. Mais il y a une manière de le dire. Plutôt dire « Allah n'aime pas cela, Allah n'aime pas les impudiques ». Vous voyez, quand on dit « Allah n'aime pas les impudiques », la personne qui est dans l'erreur aura plus tendance à accepter que plutôt que « Qasim al-Firansi », ça le fait vomir. Ça, elle ne va pas accepter, donc... C'est des détails. Peut-être pour certains, ils vont comprendre, vont dire non, mais Harry, nous aussi, ça nous dégoûte, etc. Non, ça c'est une chose. Mais
c'est dans l'excellence. Il faut être dans l'excellence dans la manière de transmettre les choses. Il y a des gens qui aiment qu'on leur fouette le nez, comme on dit. Moi, je connais plus d'une personne dans la room, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment, non pas qu'on les malmène, attention, ce ne sont pas des gens étranges, mais s'ils ont une erreur, ils aiment quand, non, on va dire quand ça pique. Il y a des gens qui sont très sensibles, et très, donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Donc c'est un petit peu ça. Là, j'en ai parlé très brièvement, je ne vais pas m'étaler plus, mais voilà, énoncer certains mauvais comportements, si on peut appeler ça comme ça, certaines de mes erreurs, par rapport à, non pas une erreur de manhaj, de aqida, ni même dans le fiqh, même si personne n'est infaillible, mais une erreur de d'attitude, peut-être, voilà, de... peut-être que je me suis voilé la face en me disant non, je ne suis pas dur. Peut-être parfois j'étais effectivement dur. Peut-être que parfois j'ai été dur. Et je le regrette. Enfin, je demande pardon à toute personne qui se serait sentie offensée et blessée. Déjà si elle m'écoute et dans la room aujourd'hui ou dans le replay. Et puis je vais faire un audio à part, sans langue de bois, sans orgueil, en disant je vous demande pardon et je vais essayer. J'ai bien dit essayer. J'ai un caractère, j'ai un certain style aussi incisif. Mais je vais essayer d'être plus doux, plus miséricordieux, plus compréhensif. Puis si je veux blâmer quelque chose qui vraiment me dégoûte, bah, je vais mettre mon ego de côté, mon nefs de côté en disant ça te dégoûte pour Allah, mais essaye de le dénoncer avec grande sagesse et grande délicatesse. Je pense qu'on peut, piquer quelqu'un sans employer des mots comme vomir ou comme pathétique. Ou ce sont des mots qui sont un peu... C'est pathétique, certains comportements, c'est pathétique. Mais est-ce que le dire est une bonne chose? J'en doute aujourd'hui, j'en doute. Enfin, le mot pathétique, il renvoie vraiment à de la bassesse. Et les gens n'ont pas besoin d'entendre ça. Voilà, c'est sûr que si tu dis à quelqu'un qui fornique que tu es pathétique, oui, oui, mais il n'a pas envie d'entendre ça. Il a envie d'entendre, connais-tu le châtiment, mon frère, ma sœur, de celui qui fornique. Vous comprenez. Voilà. Et je le dis, ça a été... c'est pas tout le temps non plus. Parfois, je sais être à l'écoute des gens et conseiller avec sagesse, parce que je me connais aussi. C'est pas tout le temps, c'est pas sur tous les sujets. C'est pas, Yanni, c'est pas sur toute personne non plus. Mais ça peut être un élève, ça peut être... Personne n'est parfait, je reste un homme. Parfois la fatigue, parfois le jeûne, parfois les énervements des gens autour, parfois une personne aussi qui insiste tellement que... Au bout d'un moment, la personne, voilà, personne, j'ai bien dit personne, n'est infaillible. Voilà. Personne. Plus on a de science, plus on a de sagesse, moins on se comportera mal vis-à-vis des gens. Mais personne ne peut dire « j'ai jamais eu un écart ». C'est humain. Surtout quand on prêche beaucoup. Et je suis de ceux qui prêchent beaucoup. C'est pas comme si que je m'appliquais à faire, on va dire, un cours par mois ou un poste toutes les deux semaines. Dans ce cas-là, oui, là, on pourrait dire, Naam, non pas, il n'a pas le droit à l'erreur. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit à l'erreur quand je prêche plus, mais bon, quand quelqu'un prêche peu, on attend de lui vraiment, vous comprenez, de l'excellence excellente, on va dire. Mais moi, je prêche tous les jours. Donc j'ai mes hauts, j'ai mes bas, j'ai mes états d'âme d'homme. Je ne suis qu'un homme. Avant d'être un prêcheur, je ne suis qu'un homme faible. J'ai mes péchés, j'ai mes manquements. Et donc, je demande à Allah de me pardonner et aux créatures aussi d'être clémentes avec moi. C'est pas que j'implore le pardon des créatures, mais si je leur ai fait du tort, sans orgueil, je leur demande oui de me pardonner, de dire ben c'est un frère quoi. C'est un frère, mais c'est un homme quoi. Donc ça a pu toucher voilà diverses personnes dans divers contextes, soit à l'écrit, à l'oral, en privé, un élève ou pas. Et c'est les hauts et les bas d'un être humain. Voilà. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte. Et je pense que je vais terminer là-dessus. En tout cas pour vous. Et je vous dis un audio à part. Je pense que ça peut que me servir. Je pense que cette prise de conscience peut que m'élever. Et que me servir. Même pour les gens qui m'écoutent vont se dire, ah, alhamdoulilah, il n'est pas si méchant que ça. Et je ne suis pas méchant. J'ai un caractère et une manière de dire. Voilà. C'est sûr que si on prend Cheikh Fawzan et moi, dans la manière de prêcher, non pas dans le contenu, hein, forcément, je parle dans la manière de parler. Hein. On n'a pas le même âge déjà. Mais Cheikh Fawzan, c'est assez pas étonnant, mais écoutez, il peut réfuter du shirk. Écoutez comment il réfute du shirk. C'est assez étonnant. Il est très calme. Il réfute les choses hein, avec bien, mais il est tellement calme. Après, c'est quelqu'un de très âgé aussi. Mais Cheikh El Albani, c'est pareil. Il pouvait avoir des takfiri en face de lui. Des takfiri, pourtant, on les aime pas. Hein. Ils arrivent avec des ambiguïtés. Il était très 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 calme. Et je pense qu'on a à apprendre de ces gens-là. On a à apprendre, nous tous, hein, c'est un rappel en début de cours pour nous tous, mes frères et sœurs. On a à apprendre de ces gens ancrés dans la science, mais très calmes devant tout le monde, en fait. Et voilà, parfois, d'autres vont réfuter, moi y compris, avec un peu plus de côté péchu, un petit peu plus d'agressivité. Parfois, ça peut être nécessaire pour recadrer quelqu'un en particulier, mais la douceur est souvent de mise. Voilà. Je voulais vous rajouter quelque chose, mais j'ai oublié maintenant. Harlem. Oui, en disant, vous voyez, les gens de l'innovation, comment ils arrivent à toucher les gens.
c'est pas qu'ils arrivent à toucher les gens avec de la vérité. Eh ben, ils disent que du faux. Mais ils arrivent à toucher les gens parce qu'ils parlent tellement mielleusement. D'ailleurs, c'est du cirque, comme on l'a vu. Un discours pareil, c'est de la sorcellerie. C'est pour ça que j'ai dit à Ementer, arrête ta sorcellerie. Je lui ai dit, arrête ton cirque, parce que ça devient du cirque à ce niveau-là, comme d'autres. Alors nous, faut pas qu'on tombe dans la sorcellerie. Mais, voilà. Moi avec vous, vous avec d'autres, essayons de parler avec vraiment beaucoup plus de douceur, même si en face de nous, on a un pur égaré. Parce que Moussa, il est parti parler à Fir'aun avec des paroles douces. Voilà, Allah nous pardonne, qu'Allah nous aide à mieux répandre sa religion. Naam, Allahu ta'ala a'lam, c'est ce que je voulais dire ici dans le cours en tout cas. On reprend sur quel chapitre? Parce que l'élève modèle sait où on en est. Non, elle ne sait pas aujourd'hui. Ah, l'élève modèle, il a changé. Ah non. Naam. On a deux bons élèves aujourd'hui. On est à quel chapitre? Je crois page 464, c'est ça, en haut. Et l'élévation, c'est ça. Hein. On n'avait pas encore commencé ce chapitre-là. On avait terminé sur la fin du chapitre. La fin du chapitre des sagesses de Aïssa, hein, je crois. C'est ça qu'on avait terminé. Naam. Alhamdulillah. L'élévation d'Aïssa est la preuve du mensonge des juifs et des chrétiens à son égard, au sujet de la crucifixion. Barakallahu fikoum. L'élévation de Aïssa, Aïssalem, est la preuve du mensonge des juifs et des chrétiens au sujet de la crucifixion. Il n'a pas été crucifié. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets 54 et 55 de la sourate Al-Imran, et ceux qui ont mécru se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui agit le plus astucieusement. Allah dit alors, ô Aïssa, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous divergiez. Non. Également, il dit dans Sourate An-Nisa, versets 155 à 159 dans le centre. Nous les avons maudits pour avoir trahi leur engagement, renié les versets d'Allah, tué injustement des prophètes et pour avoir dit « nos cœurs sont scellés ». Mais c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance. Ainsi, ils ne croient que très peu. Nous les avons maudits à cause de leur mécréance et de l'énorme mensonge qu'ils prononcent contre Mariam. Et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Messie, Isa ibn Mariam, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais c'est ce qu'il leur a semblé faire. Et ceux qui ont divergé à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune science certaine et ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certes pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, le Messie, avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Non. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il a élevé son serviteur Isa au ciel après avoir rappelé son âme à lui. Mais rappeler son âme ne veut pas dire l'avoir fait mourir ou qu'il a été crucifié. Il a rappelé son âme à lui, il l'a élevé aux cieux. Naam. Mais c'est pas la même manière, naam, que ce que croient les juifs et les chrétiens, peut-être même quand on avait l'idée. Hein? On dit qu'Allah il est aux cieux. Allah il est au-dessus des cieux. Et Aïssa, excusez-moi, astaghfirullah. On dit que Aïssa, il a été élevé aux cieux. C'est ce qu'on dit. Naam. Allah a rappelé son âme dans son sommeil, selon l'avis le plus juste. Qu'on dit rappeler son âme, naam, bien sûr que c'est la manière de le ramener naam, dans une forme de mort, bien évidemment. Et il n'est plus dans la vie terrestre. C'est pour ça qu'il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, je mets fin à ta vie terrestre. Mais ce n'est pas la mort de la crucifixion que certains croient. Naam, ce n'est pas la même mort. Allah il a repris son âme, wallahu a'lam, dans son sommeil, naam, et il l'a élevé vers lui. Pour le soustraire en fait aux mains des juifs qui voulaient lui causer du tort en le dénonçant à un des rois mécréants de l'époque. Donc c'est pas là la mort sur la croix, ni même naam, les autres morts qu'on a l'habitude d'entendre ici. Hein, naam, c'est pas les gens après l'ont enterré, etc. Naam, il a été élevé. Al-Hassan al-Basri Muhammad ibn Ishaq rapporte que ce roi, donc le roi qui en voulait à Issa, il voulait lui causer du tort, naam, un roi mécréant de l'époque, se nommait Daoud ibn Noura. Il ordonna qu'on tue à Issa et qu'on le crucifie. Ça, c'est vrai. Ils le cernèrent alors dans une maison de Beit el-Maqdis, un vendredi soir. Et lorsqu'ils furent sur le point d'entrer, l'apparence de Aïssa fut donnée à un de ses compagnons à la place. Allah fait ce qu'il veut. L'apparence de Aïssa, elle fut donnée à un des compagnons. Hein? Et Aïssa, lui, il fut élevé par une fente de cette maison. Il fut élevé lui-même, naam, hein?
sa personne vers le ciel sous le regard des occupants de la maison. Stupéfait. Naam, subhanallah. Les soldats, ils entrèrent alors et commencèrent à questionner et à emmener le jeune homme qui avait pris donc l'apparence de Issa, croyant qu'il s'agissait bien de Issa. Et ils le crucifièrent, effectivement. Ils lui mirent sur la tête une couronne d'épines pour l'humilier. Naam, donc ça, c'est ce qui est rapporté. Mais tout le monde pense que c'est Issa. La plupart des chrétiens, qui eux n'avaient pas assisté à ce qui était réellement advenu de Issa, crurent à la thèse des juifs sur la crucifixion, s'égarant ainsi d'un égarement manifeste et lointain. C'est très peu de gens ont vu l'élévation de Issa. Naam. Allah Ta'ala, et on dit, oui, mais Naam, ça c'est ce qui est dit par Ibn Kathir, et ce qui dit que Ibn Kathir dit la vérité. Allah Ta'ala le dit dans le Coran. Comment après on peut démentir le Coran? Le Coran, Naam, n'est que la vérité. C'est la parole d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Ibn Kathir ne fait que commenter. D'accord? Pour ceux qui diraient, oui, mais ça c'est pas un dalil tranchant. C'est le Coran le dalil tranchant. Ensuite, c'est l'explication, Ibn Kathir. Comment le Coran, Naam? Allah Ta'ala dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, après sa descente sur terre à la fin des temps. Il n'y a pas une personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Sa mort, Naam, sur terre, normalement, on va dire. Alam, il vivra une quarantaine d'années. Il vivra une quarantaine d'années. Et comme a dit Scharfhausen, ces détails-là, on ne s'en préoccupe pas. Mais combien de temps il va vivre exactement? Il va avoir combien d'enfants? Quelles seront la couleur des cheveux de sa fille? Il y a des gens, ils s'engouffrent dans des questions qui ne servent à rien. Scharfhausen, il a dit, occupe-toi de ta foi à toi, de ta mort à toi. Et Naam, et n'apprends pas ce genre de détails, en fait, ce genre de détails futiles et inutiles pour ta foi. Ah, je sais que la fille de Issa, quand il va revenir, aura des cheveux blonds. Ça change rien pour ta foi. Vous comprenez? Il y a des choses qui ne servent pas à grand chose. C'est pas moi qui le dis ici, c'est Scharfhausen. Quand on l'a questionné justement sur quelque chose comme ça, combien aura d'enfants? Je crois que la question c'était combien aura d'enfants Issa. Et je crois que Scharfhausen il a dit sans sourire, il a dit ben on verra bien quand on inchallah quand on le verra. Sous-entendu il a dit si on le voit inchallah on saura combien il aura d'enfants. Naam, pas avant. Allahu a'lam, il a dit. Après il a dit mais pourquoi tu te préoccupes de ce genre de questions? Naam. J'avais déjà fait nasiha une fois à une sœur ici présente dans la room qui je crois que c'était elle, Allahu a'lam, qui posait des questions. Pas des questions stupides, on peut pas dire ça, mais elle se dispersait. Et je sais que depuis, pour voir ses questions au quotidien, elle s'est rangée de cela, elle se disperse plus du tout dans les questions, et elle pose des questions bénéfiques, alhamdoulilah. Parce que voilà, sinon on perd son temps. Voilà. Toujours est-il donc, voilà, qu'il reviendra, il vivra un temps sur terre à la fin des temps. Hein, notamment pour tuer Messie Haddajjal. Et il n'y aura personne parmi les gens du livre, comme dit Allah Ta'ala, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Donc, c'est-à-dire, après sa descente sur terre à la fin des temps et avant le jour de la résurrection, il descendra, Issa. Il tuera le porc, ceux qui le mangeaient. Il brisera la croix, parce qu'il a été adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne le supportera pas, donc tous les chrétiens vont tomber des nues quand ils vont voir leur fameux Jésus, soi-disant, qu'ils seront soi-disant suivis. En fait, non, briser la croix et renier ce type d'adoration. Il n'acceptera plus l'impôt de capitulation. Et n'acceptera que l'islam, comme nous l'avons montré à travers différents hadiths rapportés à ce sujet. Là, notamment dans l'exégèse du verset de Sourate An-Nisa. Il ne prendra plus la jizya. Il ne prendra plus la jizya et seul l'islam sera accepté comme religion. De même, de manière plus détaillée, dit Ibn Kathir dans Al-Fitan, Al-Malahim, au chapitre concernant le faux messie, Masih ad-Dajjal. Nous avons mentionné ce qui est rapporté concernant la descente du messie depuis les cieux afin de tuer le faux messie, le grand menteur, le prêcheur à l'égarement. Naam. Pour ceux qui veulent un livre fiable mais court sur ce sujet, parce qu'il y a, comme je vous le rappelle, beaucoup de vidéos, de posts sur internet sur ce sujet, Issa, la fin des temps, Masih ad-Dajjal, trois quarts des choses c'est faux, j'ai bien dit trois quarts, pas tout, mais trois quarts des choses c'est faux, c'est pas sourcé, ou c'est mal sourcé, ou c'est tordu, ou on connaît pas le nom du savant. Les gens parlent, on va dire, à tort et à travers sur ce sujet. Donc fuyez les vidéos YouTube et les liens internet comme ça. Vous voulez un livre fiable, Inch'Allah ou Ta'ala, court hein, mais fiable. Il y a un petit livre chez Dar al-Muslim, je vais juste vous trouver le nom exact. Dar al-Muslim, faux messie. Non. C'est un livre vraiment court à lire et ça vous donnera une bonne base dans l'aqida sur ce sujet. Alhamdulillah. Je crois que c'est le faux messie, le retour de Issa, Dar al-Muslim, voilà. Et même Al-Qurtubi, non. Le faux messie, le retour de Issa, fils de Marie, par l'imam Al-Qurtubi. Voilà. C'est un livre vraiment court. Il dit quoi en résumé? Ce livre est une compilation des récits prophétiques et des paroles de savants de l'islam concernant le faux messie. Voilà. Donc voilà. Et il est vraiment court. C'est pas un livre, c'est tout le monde peut y accéder. C'est pas un livre difficile à lire. Je vous le conseille en première approche, en petite approche. Naam, avant de prendre des cours plus détaillés, Inch'Allah ou Ta'ala, si un jour on fait les signes de la fin des temps, ou même Cheikh Chalabi a fait
le livre sur les signes de la fin des temps. Je vous invite à vous y reporter. Il y aura plus, forcément plus d'informations. Et là, il a de la science. Il a peut-être commenté certaines choses et ramené des choses intéressantes. Là, l'essentiel, donc voilà. La descente du Messie afin de tuer le faux Messie. Et pour ceux qui veulent plus de détails, revenir au livre que je vous ai donné. Allahu ta'ala. Allez. Donc voici ce qui a été rapporté. Maintenant qu'on a clarifié ça, voici ce qui a été rapporté dans les différents récits concernant son élévation au ciel. Ibn Abi Hatim rapporte d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, lorsqu'Allah voulut élever vers lui Isa ibn Maryam, il se rendit dans une maison où se trouvaient 12 de ses compagnons. Isa entra chez eux, la tête ruisselante d'eau, et il leur dit « Certains d'entre vous me renieront 12 fois après avoir cru en moi. » Elle dit ensuite « Qui de vous accepte de prendre mon apparence, d'être tué à ma place et d'être au même degré que moi au paradis ?» Là, vraiment, là, il les a mis face à leur foi, on va dire. Hein ?« Vous croyez en moi ? Je suis pour vous, hein, le prophète, le messager d'Allah. Hein ? Vous m'aimez, vous me suivez ? Vous pensez que le paradis enfer Naam sont des réalités, des vérités. Qui accepterait parmi vous de prendre mon apparence afin d'être tué à ma place, torturé à ma place, mais après d'être élevé au même degré que moi au paradis, à un rang de prophète. Et un jeune homme se leva et l'a dit moi, Naam, et lui a dit assieds-toi. Il répéta la même question et c'est le jeune homme qui se leva de nouveau. Les autres n'ont pas voulu. Naam, c'est même pas on va dire des amoureux de la dunya, c'est le nefs. C'est difficile de, enfin, c'est vraiment. Le nefs, là, il est cassé pour accepter une telle proposition. Le nefs, il est cassé. C'est vraiment que de l'amour pour le messager et une adoration pure, exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala. La personne se fiche complètement de sa dunya. On ne peut pas dire que les autres sont accrochés à la dunya ou des amoureux de la dunya. C'est simplement, c'est une question de nefs, quoi. Vous comprenez? Il n'y a que jeune homme. Sur 12, il n'y en a qu'un qui s'est levé. Naam. Hein, il a répété la même question et c'est le jeune homme qui se leva de nouveau. Mais il lui répondit encore, assieds-toi. Assieds-toi. Naam. Il répéta la même question. Une fois encore, ce fut le jeune homme qui se leva. Il a dit « Alors, ce sera toi. Personne ne veut. Et toi, Naam, t'es déterminé. Hein » Il n'a pas réfléchi, Naam. C'est sa foi qui a parlé, Naam. Allah lui donna alors l'apparence de Isa, tandis que celui-ci fut élevé au ciel par une ouverture dans la maison. Et à la demande des Juifs, les soldats vinrent alors et emmenèrent le jeune homme. Ils le tuèrent et le crucifièrent. Certains renièrent alors Isa 12 fois après avoir cru en lui. Les chrétiens se divisèrent alors en 3 groupes. Les gens donc ont renié Isa après avoir cru en lui, les chrétiens se divisèrent en 3 groupes. Le premier des groupes a dit, et on est loin là, on parle de 3 groupes, mais on est loin maintenant de toutes les sectes liées aux chrétiens, protestants, orthodoxes, catholiques, et ceci, et évangélistes. Là, c'est encore d'autres choses. Non, c'est les différentes sectes après qui ont émané. Là, on parle des groupes juste après là, sa pseudo-mort. Le premier dit, Allah demeura parmi nous autant qu'il voulut. Ensuite, il s'éleva au ciel. Pour qu'ils disent que Jésus est Isa. Ils disent que Isa est Allah. Allah al-Musta'an. Donc ils disent que Allah. J'ai du mal à lire ça, mais c'est vraiment pour vous donner l'égarement de leur voix. Ils disent Allah, il a été parmi nous. Ça va, non, bon. Sous-entendu, c'est Isa. Autant qu'il voulut, puis ensuite il s'éleva au ciel. Donc ils visent vraiment Jésus comme divinité en dehors d'Allah. Enfin, pour eux, c'est Allah en vérité. Hein? Pour eux, Jésus, c'est Allah. Et il s'est élevé. Non. Ce sont les Jacobins. Le deuxième groupe a dit le fils d'Allah resta parmi nous. Donc ils disent que Allah a un fils, mais c'est pas que Jésus est Allah, mais que c'est son fils. Il resta parmi nous autant qu'il voulut. Et ils disent qu'il voulut lui. Ils disent pas qu'il veut Allah. C'est un autre égarement. Si nous on a une croyance plus pointue, on sait que c'est Allah qui veut les choses. Il n'y a aucune créature qui décide. Non. Donc ils disent que c'est Jésus qui a voulu rester autant qu'il a voulu, et non Isa. Que c'est Jésus qui a voulu Isa donc rester autant qu'il a voulu. Et non pas Allah. Donc, Isa étant, soi-disant, le fils d'Allah. Wallah musta'an. Puis Allah l'éleva vers lui. Ce sont les Nestoriens. Et le troisième groupe, il a dit, le serviteur et messager d'Allah, car on est bon, le serviteur et messager d'Allah, non ni Allah, ni son fils, vécu parmi nous autant qu'Allah l'a voulu. Allah akbar. Naam. Puis Allah l'éleva vers lui. Ce sont les croyants. Ce sont les croyants chrétiens de l'époque, les suiveurs de Isa, Naam, qui n'ont pas connu Mohammed, ils n'ont jamais vu Mohammed une seule seconde. Ils n'ont aucune connaissance de la charia islamique, aucunement. Mais ce sont des croyants, ce sont des gens du tawhid. Ils suivent Isa sincèrement. Ce sont des gens du paradis, mais Ibn Allah Azzawajal. Ce sont des gens comme vous, comme moi. Inch'Allah, qu'Allah nous raffermisse en tout cas sur cette voie, ce sont des gens, ce sont des musulmans. Parce que musulmans, ce sont des soumis à Allah.
Bien sûr, ils n'ont pas eu la même législation que nous. Mais regardez ce qu'ils ont dit, ces gens-là, ce groupe de chrétiens. Le serviteur est messager d'Allah. Ils n'ont pas dit c'est son fils. Ils n'ont pas dit c'est Allah, wal'iyadhu billah. Vécu parmi nous, oui. Autant qu'Allah l'a voulu. Non, pas autant que lui l'a voulu. Non, la créature ne veut rien. Autant qu'Allah l'a voulu. Puis Allah l'éleva vers lui. Ça, c'est une croyance parfaite. Ça, c'est une version parfaite. Ce sont donc les croyants, les vrais croyants. Les deux premiers groupes se liguèrent contre les croyants et les tuèrent. Vous voyez comment ils ont été éprouvés aussi. Les gens qui ont parlé là comme ça, comme des vrais, Naam, ils ont été tués, éprouvés par les criminels, par les injustes, par les égarés. L'islam resta caché alors, jusqu'à ce qu'Allah envoie Mohammed. Quand on dit l'islam, c'est pareil. Quand je dis c'est pas la même charia islamique, on parle de législation. Mais ça a toujours été el-islam. El-islam, el-iman, el-tawhid, les mu'minoun, ça a toujours existé. Les musulmans, c'est pareil. C'est des questions de législation. Il n'y a toujours eu qu'une seule religion. Les gens, ils pensent, voilà, il y a la religion de Moussa, il y a la religion de Isa, il y a la religion de Mohammed, il y a la religion de Salih, il y a la religion de Houd, il y a la religion de Ayyub. C'est l'islam, mais sous différentes formes, pas dans le dogme, formes dans la législation, les règles de fiqh, etc., etc., etc. Des manières comme ça. Ça, on l'a évoqué dans Al-Aqidah Sahiha en 200 questions-réponses. Ça, on l'a bien clarifié, je pense, Allahu Ta'ala A'lam. C'est la même religion sans quoi. Le même dogme, la même chose. Non. Et donc l'islam, il reste un cachet après ça. Parce que les croyances sont faites tuer par les égarés. Il n'y a plus de l'âme d'islam. Non. Apparent en tout cas, reste un cachet. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des gens. C'est pour ça que parmi les chrétiens, Naam, et les juifs, on va dire, qui ont connu Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui se sont, non pas repentis, mais qui ont cru en lui, qui ont accepté. Ils ne se sont pas repentis. Vous savez pourquoi ils ne se sont pas repentis? On ne peut pas dire qu'ils se sont repentis. Parce qu'ils n'ont jamais fait de shirk. Ils étaient ce sur quoi étaient Naam, les gens croyants, les gens qui ont suivi vraiment Issa et Moussa. Vous comprenez bien ce que je vais vous dire? Eux, ils étaient restés sur ça, on leur avait transmis que ça. C'est pour ça que cette part d'islam, et c'était des gens qui étaient sur l'islam, resta cachée. C'était des petits groupes de croyants qui adoraient par-ci et par-là. Ces gens-là, donc, étaient des gens sincères, véridiques, mais ils n'avaient pas encore connaissance d'une charia nouvelle avec un nouveau prophète. Non. Par contre, dès qu'ils ont eu, pour ces gens-là, la connaissance, la rencontre véridique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient plus de choix que de suivre. Ils n'avaient plus de choix que de le suivre. Ceux qui se sont enorgueillis, non, nous on reste. Ce sont des égarés, effectivement. Hein, ils ont renié le messager d'Allah. Ce sont des koufars. Hein, quel que soit leur dogme à la base, s'ils ont renié le dernier des messagers, non, ce sont des koufars, sans nul doute. Et puis il y en a qui avaient une croyance saine, justement, et qui suivaient sincèrement Issa ou Moussa. Ils étaient très sincères dans leur suivi. Donc ils ont bien évidemment suivi le dernier prophète et messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez cette notion-là? Hein? L'islam est resté caché, les petits groupes de croyants sont restés adorer Allah ta'ala de la meilleure des manières jusqu'à ce que l'islam émerge à nouveau, avec l'émergence d'un nouveau messager, c'est clair? Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a dit, c'est là le sens de la parole d'Allah ta'ala, nous aidâmes ceux qui avaient cru contre leurs ennemis et ils triomphèrent. Cette chaîne de transmission remonte à Ibn Abbas, elle est authentique selon les conditions de muslim. Parmi ceux qui ont rapporté ce récit, qu'on a cité précédemment de manière ici détaillée, on citera Mohammed ibn Ishaq ibn Yasmina qui rapporte Isa, alayhi salam, invoquer Allah afin qu'il retarde le moment de sa mort. Pourquoi? Afin qu'il puisse transmettre le message, compléter sa prédication et que les gens soient plus nombreux à entrer dans la religion d'Allah. On dit qu'il avait 12 apôtres et leurs noms sont les suivants. Boutros, Ya'qub ibn Zabadi, Yuhanna, le frère de Ya'qub, Andarawus, Firbus, Barthu Lamaus, Matta, Ya'qub ibn Halfi, Taddawus, Sam'an, Al-Qanoui, et Yahwatha, Al-Israyuti. Excusez-moi pour les noms, c'est des noms qu'on n'a pas l'habitude de prononcer. Naam. Parce qu'il y a des noms mis en arabe comme ça, vous savez, c'est comme, j'ai oublié son nom, nom de roi là, le nom de tyran, nom de je ne sais quel tyran roi parmi des noms de juifs, de chrétiens, de perses ou de romains, peu importe, et après, vous savez, il y a une version arabe du nom. Et ce ne sont pas des noms qu'on a l'habitude de prononcer, par exemple, comme, je ne sais pas moi, Ya'qub ou Yuhanna, ce sont des noms qui ne sont pas dérangeants. Mais par exemple, là, le Barthou Lamaous, on va appeler ça comment? Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Bartholomé. Personne ne reconnaît? Non, bah on va pas l'appeler Bartholomé en arabe, on va l'appeler Barthou Lamaous. Mais je n'ai jamais lu ce nom-là encore en arabe, vous comprenez?
Et donc, c'est ces noms-là qu'il faut, il faut s'habituer à les prononcer. Naam, Allah a'lam. Donc, lui, Naam, qui donc est Naam, a indiqué le dernier Yahwava, il est celui qui a indiqué aux Juifs où se trouvait Isa. Il y avait parmi eux un autre homme, dont le nom était Sarjas, mais qui fut caché par les chrétiens, car il fut celui qui prit l'apparence du Messie et fut crucifié à sa place, donc le fameux jeune. Certains chrétiens prétendent que celui qui fut crucifié à la place de Isa et qui a pris son apparence était Yahwada, mais Wallahu ta'ala a'lam. Ad-Dahhak rapporte d'après Ibn Abbas que Isa laissa le commandement à Sam'an et que les Juifs tuèrent Yahwada qui avait pris l'apparence de Isa. Wallahu a'lam. Oui, il y a plusieurs versions encore rapportées sur cette affaire. Non. Ahmed ibn Marwan rapporte d'après Al-Farrah au sujet de la parole d'Allah Ta'ala. Et ceux qui ont mécru se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot et c'est Allah qui agit le plus astucieusement. Il dit, il commente. En fait, Isa, il s'éloigna un temps de sa tante maternelle. Et puis il revint lui rendre visite. Ras al-Jalut, le juif, se rendit à la porte de Isa et brisa la porte. Il entra pour se saisir de Isa. Mais Allah Ta'ala fit en sorte qu'il ne puisse pas voir Isa. Puis il sortit en portant son épée tranchante. Et il a dit, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Et il dit, tu es Isa. Car Allah lui donna l'apparence de Isa. Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le crucifièrent. C'est encore une version par rapport à sa crucifixion fictive. Et Allah Ta'ala a dit, or ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais c'est ce qui leur a semblé faire. Ils ont cru faire cela. C'est-à-dire vraiment, il y a eu un changement d'apparence. Donc certains rapportent, voilà. Que c'est lui, Naam, qui est venu rendre visite à Isa, qui prit alors son apparence et qui fut crucifié. Wallahu a'lam. Ibn Jarir rapporte d'après Wahb ibn Munabbih, il cernait Isa, qui se trouvait dans une maison en compagnie de 17 apôtres. Lorsqu'ils entrèrent, Allah Ta'ala leur donna à tous l'apparence de Isa, à tous ces gens-là. Et ils dirent, vous nous avez ensorcelés, montrez-nous qui est Isa, sinon nous allons tous vous tuer, nous vous tuerons tous. Et Isa dit à ses compagnons, qui d'entre vous donne son âme en échange du paradis? Un homme a dit moi. Il se leva donc et dit, je suis Isa. Alors qu'Allah lui avait donné l'apparence de Isa. Ils le prirent, le tuèrent et le crucifièrent. Voilà pourquoi il leur sembla avoir tué Isa. Même que les chrétiens crurent qu'il s'agissait d'Isa. Hein, et Allah éleva Isa en ce jour. Et Ibn Jarir rapporte aussi d'après Wahb, toujours, lorsqu'Allah annonça à Isa qu'il allait quitter ce bas monde, cela lui fut pénible, et il craignit la mort. Naam. Donc, quand Allah Ta'ala annonça à Isa, naam, un noble messager prophète, qu'il allait quitter ce bas monde, ça lui était pénible, tout de même. Et il craignit la mort, tout de même, même lui. Naam. Il appela ses apôtres et leur prépara un repas. Il a dit, venez ce soir, car je dois vous dire quelque chose. Lorsque la nuit furent venues, et ils furent donc rassemblés autour de lui, il leur donna à dîner, les servit, et lorsqu'ils eurent fini, il rinça leurs mains de sa main, et les essuya avec son vêtement. Naam. Ils répugnèrent cela. Mais il leur dit, celui qui repousse quoi que ce soit de ce que je ferai ce soir n'est pas des miens. Ils acceptèrent donc jusqu'à ce qu'il termine, puis il leur dit, que ce que j'ai fait ce soir en vous servant et en vous lavant les mains vous serve d'exemple. Car vous voyez que je suis meilleur d'entre vous. Je suis le meilleur d'entre vous alors que personne ne s'enfle d'orgueil devant un autre. Et que chacun se mette au service de l'autre. En fait, il s'est abaissé. Alors qu'il était le meilleur parmi eux, il s'est abaissé en leur essuyant les mains, Naam, et en essuyant leur bouche de son vêtement. Il s'est abaissé, non pas pour s'humilier, non, pour leur faire comprendre une grande leçon, de la meilleure des manières. Je suis bel et bien le meilleur d'entre vous, et pourtant, alors que personne ne s'enfle d'orgueil devant un autre, et que chacun se mette au service de l'autre, comme je me suis mis à votre service, pourtant meilleur que vous. Quant à la raison pour laquelle je vous ai fait venir, c'est que je vous demande d'invoquer Allah Ta'ala pour moi de toutes vos forces. Car j'aimerais qu'ils retardent l'heure de ma mort. Lorsqu'ils voulurent invoquer, ils furent tous pris par le sommeil, si bien qu'ils ne purent pas invoquer. Naam. Et il les réveilla en leur disant, gloire et pureté à Allah, vous ne pouvez pas patienter pour moi, ne serait-ce qu'une seule nuit. Naam. Ils répondirent, nous ne savons pas ce que nous avons. Par Allah, nous veillons longuement, mais là, nous ne sommes pas parvenus. Là, nous n'arrivons pas. Là, on a envie de dormir, c'est plus fort que nous. C'est Allah Ta'ala, qaddar Allah. Naam. Il n'y a pas d'invocation qui passait dans ce cas-là. Et dès que nous voulons invoquer, nous en sommes empêchés. Il a dit, le berger
Le berger s'en va et le troupeau se disperse. Hein. En gros, le berger, donc, moi, Issa, je m'en vais et le troupeau se disperse. Plus personne n'a, hein, ne veut m'aider alors. Il prononça d'autres paroles similaires dans lesquelles il désignait sa personne. Ce que je vous disais, le berger. Et il a dit, la vérité est que l'un d'entre vous me reniera avant que le coq n'ait poussé trois cris. Et un autre me vendra pour quelques dirhams. Ils sortirent alors et se dispersèrent. Les juifs le cherchaient et ils prirent Sam'an, un des apôtres. Ils dirent, c'est un de ses compagnons. Il nia, il a dit, je ne suis pas de ses compagnons. Et ils le laissèrent. Puis d'autres l'attrapèrent. Et il nia de nouveau. Puis il entendit le chant du coq et pleura de tristesse. Au matin, un des apôtres se rendit chez les juifs et dit, que me donnerez-vous si je vous indique où est le Messie? Ils lui donnèrent 30 dirhams qu'il accepta, et en échange de quoi il leur indiqua l'endroit. Mais avant cela, on donna l'apparence de Issa à un autre. Et lorsqu'ils arrivèrent, ils le saisirent, l'enchaînèrent, le ligotèrent et l'emmenèrent en disant « C'est toi qui faisais revivre les morts, repoussais Shaitan et guérissais les fous. Pourrais-tu alors te libérer de ces liens ?» C'est-à-dire, ils se moquaient de lui. « Ah, tu pouvais hein, faire des miracles, Naam. Là, aujourd'hui, tu es attaché, on t'emmène, on va te tuer. Hein. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant ?» Et Naam. Ils lui crachèrent dessus. Excusez-moi, j'ai perdu la page. Et lui crachèrent dessus. Et lui jetèrent des épines. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que l'arbre où il voulait le crucifier. Là. Donc il a vraiment en arme cette personne-là. En lieu et place de Issa normalement. A vécu un calvaire apparemment. À ce moment-là. Là, insulté. Et ils insultaient en vérité son prophète. Donc ça restait douloureux. Même si c'était sa personne qui prenait. Il savait qui il visait. Il crachait dessus. Les insultes. Là. Jetèrent des épines jusqu'à l'arbre où ils ont voulu le crucifier. Mais Allah l'éleva vers lui, Issa, et ils crucifièrent celui qui prit son apparence. 7 jours plus tard, sa mère et la femme, que Issa soigna et qu'Allah guérit, vinrent pleurer à l'endroit de la crucifixion. Issa est venu alors et a dit, « Pourquoi pleurez-vous ?» Elles ont dit, « Sur toi. » Il a répondu, « Non, Allah m'a élevé vers lui, et seul le bien m'a touché. » Et il leur a seulement semblé me tuer. Dites aux apôtres de venir me rencontrer en tel lieu. Ils furent 11 à venir le voir. Manquait celui qui l'avait vendu. Naam. Et qui avait indiqué aux juifs l'endroit où il se trouvait. Donc le traître. Il les interrogea à son sujet. Il répondit. Il a regretté son acte et il s'est pendu. Il a fait taouba et il s'est pendu. Il s'est suicidé. Il a dit. S'il s'était repenti, Allah lui aurait pardonné. Naam. Là, on a une grande règle ici, nous. C'est pour les gens qui désespèrent. On a une grande règle ici. Est-ce que ce que tu as fait toi, comme qu'on a vu avec le récit de Thabit, qui a trahi pour de la dunya, pas parce qu'il était mécréant, trahi pour de la dunya, le messager d'Allah, et salatu wassalam. Vous imaginez la gravité? Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Et là, c'est pareil. Vendre Issa aux juifs. Il a regretté son acte, il a fait tawbah, mais il s'est pendu. Pourquoi se pendre? Issa, il dit, s'il s'est repenti, Allah lui aurait pardonné. Parce que même si tu fais du shirk et tu te repens, Allah, il te pardonne. Il n'y a rien, Naam, qui soit plus lourd qu'un repentir. Plus lourd dans le sens où, Naam, qu'un repentir ne pourrait pas effacer Ibn Azogel. Les gens vont dire, ouais, moi, non, tu sais pas ce que j'ai fait. Hey, est-ce que ce que tu as fait, Naam, c'est de menacer de mort un prophète? Est-ce que tu as enterré ta petite fille vivante? Est-ce que tu forniquais avec des dizaines de femmes à la fois? Est-ce que tu étais grand alcoolique? Tu vas me dire, bien sûr que non, Abdoubillah. Ok, horrible. Connais-tu Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, un des 10 premiers au paradis? Eh bien, il est dans le cas que je t'ai décrit avant. Allahu Akbar. Et Naam, il a enterré sa petite fille vivante, il buvait beaucoup d'alcool, il forniquait avec beaucoup de femmes et il a voulu tuer le prophète, aïssalat wa salam. Et il s'est ligué avec ceux qui étaient contre lui. Et je dis, radiallahu anhu, aujourd'hui, parce qu'il s'est repenti. Donc, on ne veut pas entendre des gens qui nous disent. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, c'est terminé. Ça c'est une ruse de Shaitan, mes frères et sœurs. Là je leur demande à ces gens-là, est-ce que toi t'as voulu tuer un prophète? Non. Quand bien même tu as fait tout le mal, Naam, possible et imaginable, il y a ce qu'on appelle un taouba. Bien sûr sincère. À partir du moment où il y a un taouba sincère, c'est une affaire, Naam, qui est entre toi, Allah Azzawajal, inutile de se pendre ou se mettre à boire de l'alcool pour oublier ou se faire comme ils font les chrétiens, là, extrémistes, là, comment ils appellent ça, la scarification, ça. Et puis ils se jettent des lianes avec, vous savez, ils essayent de reproduire Zerba, la souffrance du Christ, comme ils disent. C'est des genres de fouets avec le martinet de papa,
Le fameux martinet de papa que peut-être tout le monde a connu. Mais là, il n'est pas fait pareil. C'est pas des lanières de cuir. Il y a des genres de piquants en métal ou en des ronces. Et il se fouette comme ça le dos parce que, oh Seigneur, j'ai péché. Ça, c'est quel repentir, ça? Ah, oh, vous, là, c'est quel repentir de sataniste? Hein, ils mettent des, ils font des cérémonies comme ça. Oh, mon star, ils mettent des bougies. Il y a un crucifix comme ça. Zerma, c'est la piété, hein. C'est la grande piété. Hein. Aujourd'hui, je sais pas, moi, il a regardé une femme, il aurait pas dû, il a touché la cuisse d'une femme, et c'est pas bien. On fait taouba. Nous, on fait quoi? Je l'ai déjà dit dans un cours, nous, on fait lobo, Allah Akbar, et on pleure au sol. Et après, alhamdoulilah, on lit le Coran al-Karim, on dit vraiment, je suis un égaré, qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, ils sont devant une croix, ils viennent avec des bougies, ils se scarifient le dos, ils s'agitent le sang partout, ils disent, oh Seigneur, purifie-moi de mes péchés. C'est quelle bande d'égarés, ça? Non. Non, c'est dégoûtant, c'est malsain, c'est sataniste. Hein? Donc, le fameux qui a trahi Issa, il n'avait pas à se pendre. Il avait juste à regretter son acte. Voilà, comme Fabit, il a regretté. Vous savez, quand on l'a vu dans les cours sur le takfir, mes frères et sœurs, pour dire justement que ça, c'est pas un annulatif de l'islam. Il a fait quoi, Fabit? Ils disent, oui, les gouverneurs d'Arabie, les gouverneurs du Maroc sont des koufars. Takfirioun, ignorants, djouhel, ils sont des koufars, ils sont alliés aux mécréants. Non, premièrement, c'est des pactes. Et quand bien même, il se peut que ce soit pour de la passion, de la dunya. Habit, il a fait quoi? Habit, il a dit à Kufar Quraysh ce que comptait faire Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire attaquer à tel moment, Na'amila, dévoiler sa stratégie martiale, sa stratégie de guerre. C'est grave, c'est très grave. Omar al-Khattab, il était parmi ceux qui avaient le sang chaud. Il a dit, ya Rasulullah, laisse-moi trancher la tête de cet hypocrite. C'est-à-dire que Omar, il n'a pas le temps, comme on dit. C'est Omar, il était connu pour ça. C'était quelqu'un d'âme, non pas de quelqu'un de passage. Mais il était très jaloux pour la religion d'Allah Ta'ala, très, très, très aimant. C'est ce qu'il disait d'ailleurs lui-même, radiallahu anhu, avec ce que j'ai fait comme erreur par le passé, avec tout ce que j'ai fait comme mal par le passé, j'ai voulu tuer le messager d'Allah, j'en ferai jamais assez, il faut que j'en fasse 10 fois plus que les autres. Et il voulait vraiment être parmi les plus grands défenseurs de la religion islamique. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai été un des pires ennemis de l'islam, je vais être un des meilleurs alliés de l'islam. Comme ça, il disait en substance. Il disait, j'ai été, ya Rasulallah, parmi ceux qui t'ont le plus détesté. Je vais être parmi ceux maintenant qui t'aiment le plus. C'est comme ça il était Omar al-Khattab. Il faisait pas, comme on dit, dans la dentelle, dans la demi-mesure. Donc il voit l'autre, il l'a trahi. Omar, il dit, je sors l'épée, et viens là que je tranche la tête de cet hypocrite. Le messager d'Allah, il a dit, là Omar, ne le touche pas. Non, ce n'est pas un mécréant, ce n'est pas une mécréante flagrante, éclair, une apostasie ce qu'il a fait. C'est pas qu'il nous renie, c'est pas qu'il renie les signes. C'est qu'il a été tenté. Il voulait quoi? On l'a vu dans les cours, protéger sa famille. C'est-à-dire que sa famille était restée avec Kufar Quraysh, donc Naam, il n'avait pas envie que Kufar Quraysh fasse du mal à sa famille. C'est de la passion, c'est un intérêt de dunya. C'est une baisse de foi. Mais c'est une baisse de foi. C'est pas une apostasie, c'est pas une absence de foi, vous comprenez? D'accord? Donc si ça, déjà, Naam, ça nécessite ni de se pendre, ni de se scarifier, ni ça, c'est même pas sortir de l'islam. Que dire aujourd'hui des péchés des gens? Et là, tu dis, j'ai forniqué, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai volé. Fais taouba, repends-toi. Et déjà, il reste enfermé dans des pièces pendant des jours, des mois, même pendant Ramadan. J'ai fait ça. Je ne dis pas qu'il faut banaliser les péchés ici, mes frères et sœurs. Je n'ai jamais dit ça. Pleurer pour ses péchés, c'est bien. C'est bien. Non. Mais on ne rentre pas dans un effet de dépression, dans un état dépressif où on ne fait plus rien. Ou père, presque même Shaitan te pousse, même pas presque, c'est sûr, te pousse à plus œuvrer. C'est-à-dire en mode, tu es hypocrite. Tu as fait ça et tu veux aujourd'hui faire la salah? Oui. Puisque je me repens. Donc je reviens. Alors qu'il ne faut pas vous ayez d'ambiguïté à ce sujet. Les péchés sont graves, oui, en fonction des plus graves. Non, ça nécessite un repentir sincère. Ça nécessite un repentir sincère. Il faut pleurer, il faut pleurer. On regrette amèrement. Ça s'arrête là. Pas de roulou, pas d'exagération. Non, le roulou, ça a amené tout le monde à la perte. Les chrétiens, regardez, sont dans le roulou, dans l'adoration. Ils sont dans le monachisme. Regardez ce qu'ils deviennent. Ils sont dans le roulou, dans le repentir. Et ils se scarifient, ils se fouettent. Takfirius, dans le roulou de ceci, cela. Regardez ce qu'ils deviennent. Soufis sont roulou de... Tout l'exagération, tout ce qui est lié à l'exagération n'est qu'égarement. Nous, on est dans la voie du juste milieu. On aime modérément, on déteste modérément, on se repent modérément. C'est une image, c'est-à-dire on se repent pleinement, mais vous avez compris. Pas les repentir de satanistes, là. Non, soi-disant des repentirs. Non, non, non. Si tout est dans la modération. L'islam, c'est la modération. C'est une modération tout le temps. La voie du juste milieu jusqu'à, comme on a vu, comment on fait le takfir? On n'est pas des moulgis, on n'est pas des takfiris. On juge le cas de la personne, s'il y a du couffre clair, Naam, effectivement, un savant va trancher de son cas, sinon Naam, des excuses, des empêchements, etc. Toujours le juste milieu. Toute exagération, c'est nocif. Et puis, pourquoi c'est nocif? Regardez, la base de la première grande exagération, elle shirk billah azza wa jal. Regardez comment il est apparu. Avec l'exagération,
que les gens ont donné aux pieux. Des gens pieux, non ? Des pieux adorateurs. Mais ils ont exagéré à leur sujet. Ils les ont aimés, respectés, vénérés, puis adorés en dehors d'Allah Azzawajal. Notamment avec le fait qu'ils ont érigé des statues. Des statues, des représentations. D'où l'interdiction, on a déjà évoqué ça. Et puis j'avais même mis un audio d'une minute seulement, une minute et quelques sur YouTube. L'histoire du shirk. Comment tout ça que ça commence ? Le shirk, il vient de là. Du rouleau, de l'exagération. Hein ? À la base, on dit, ah, ce professeur, je l'aime beaucoup. Non, ce shirk, vraiment, c'est un savant, vraiment très savant, très doux, je l'aime beaucoup. Non. Après, les gens, ils commencent à le vénérer un peu trop, à l'embrasser les mains, femta, à prétendre qu'il a des femmes de ceci, donne un pouvoir, et ceci, et ça y est, c'est souvent le chien. Ils l'ont adoré en dehors d'Allah Azzawajal. Non, c'est un savant, c'est un homme parmi les hommes. Si déjà Issa et Mohammed n'étaient que des hommes parmi les hommes, certes parmi les meilleurs, évidemment, hein, le meilleur en ce qui concerne Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et Issa fait partie bien sûr des prophètes, comme on dit, doués de résolution, et ils font partie des meilleurs. Non, on les a déjà cités, ok ? Noah, Ibrahim, Moussa, Issa, Mohammed, Ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, naam, si déjà eux ne sont que des hommes, des serviteurs, et qu'on n'a pas le droit de les adorer en dehors d'Allah, que dire des personnes moindres ? Même si tu l'aimes beaucoup. Même si tu l'aimes beaucoup, cette personne-là. Vous comprenez ? Wallahu a'lam. Donc voilà par rapport à cette phrase-là qui m'a évoqué cette nasiha. Le désespoir quant au repentir. Il n'y a pas à désespérer du repentir. Pire, parfois il y a des gens qui se sont repentis depuis longtemps et ils n'arrivent pas, enfin pire, dans la même catégorie, ils n'arrivent pas à avancer. Et ils se dénigrent constamment. Je ne suis pas quelqu'un de bien, je n'ai jamais rien fait de bien, je suis pourri, pour des choses naam qui datent parfois d'il y a, peu importe d'ailleurs le temps, tant que le repentir est sincère. Et plus le temps passe, en plus, plus tu t'es éloigné du péché, plus tu as de raison d'être confiant. Naam. Et tu l'as délaissé depuis bien longtemps. Mais il y a des gens, ils restent avec ça en tête, c'est pas bon. C'est pas bon. Parfois aussi, c'est les gens qui rappellent les péchés des autres. Mais ces gens-là sont des charlatans. Ils ont un problème dans le cœur. Ce sont des gens qui ont un problème. Moi, on m'a rappelé combien de fois que j'ai des tatouages. Ça me fait juste sourire. Vous savez, quand je réfute Ayman TR, il a fait une réponse. Les commentaires sur moi, contre moi, c'est pas « Ah, il a faux dans sa réfutation. » Parce qu'ils sont incapables de me réfuter scientifiquement. C'est « Ah, il a des tatouages, ce n'est qu'un converti. » Vous savez, quand quelqu'un il a un caractère fragile, c'est pas pour être méchant, mais quand quelqu'un a un caractère fragile, non, ou qu'il a pas d'ilm, alors il va pleurer avec ça. Il va dire « Ah, ils sont méchants, et moi mes tatouages, oh la tristesse. » Moi j'ai souri quand on m'a dit ça. Oui, j'ai des tatouages. C'est terminé, c'est l'histoire ancienne. Ça dérange plus les gens que moi, comme j'ai dit. De même, l'excuse de « je suis converti ». Tout à l'heure, je parle avec un... Enfin, j'ai parlé pour la dernière fois. C'était la dernière fois que je parlais avec lui. Wallahi, parce que ça fait 5 ou 10 fois que j'essaie de le raisonner, il ne veut pas comprendre. Comme a dit Atman Abou Laïs, mais avant lui, l'imam al-Shafi'i, rahmatullah alayhi, débattre avec un ignorant, c'est inutile. Tu vas toujours perdre. Il connaît pas Usul al-Fiqh, il connaît pas les bases dans le hadith, il connaît pas le Coran, il connaît pas les bases de la sunna, il différencie pas la bid'a de la sunna, le shirk du tawhid, il comprend rien. C'est pas méchant, mais il comprend rien. Tu lui expliques, il comprend avec sa compréhension à lui, avec sa sauce à lui. Un enfant de 15 ans. Je dis un enfant de 15 ans parce que je pourrais presque être son père. D'un point de vue totalement objectif, j'aurais pu être son père. En vrai. Je l'aurais eu jeune, mais j'aurais pu être son papa. Et dans le din, il me pose des questions. On sent que le frère est ignorant. Allah le guide et nous guide. On sent qu'il ignore, il me pose moult de questions. Vous comprenez ? Et puis, je lui réponds. Ensuite, il m'envoie des contradictions par rapport à mes réponses. Donc déjà, je vois qu'il veut me contredire et non pas avoir des réponses. Avec des liens donnant sur des vidéos ou des articles de gens de l'innovation, bien connus en France. Je lui dis, Akhi, arrête d'écouter ces gens-là, c'est de l'égarement, etc. Je lui envoie ensuite les preuves de la salafia, de ceci, Naam, Kitab, Wassouna, les paroles de l'élama. Il veut pas écouter, il veut pas lire, il veut pas cliquer. Il reste sur ça, il continue. Une fois, deux fois, dix fois. À la fin, Naam, je l'ai bloqué. Je lui ai dit, salam alaikum, tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas écouter. Ça, c'est pas, par exemple, ça, c'est pas une forme de dureté. Tu lui expliques une fois à une personne. Elle est ignorante, peu importe. Elle est ignorante, peu importe. Mais elle veut quoi? Elle veut apprendre. Je peux passer des nuits entières, sans ostentation, à lui expliquer tout ce qu'elle veut apprendre. Mais quand une personne, elle a ce qu'on appelle le djel murakkab, elle pense savoir, mais elle ignore tout. Ça sert à rien de parler. Écoutez l'audio de Adman, il dure 1 minute 30, pas plus. Tu peux dire, tu jettes l'éponge dès le début. Tu lui dis une fois, il ne faut pas écouter, salam alaikum, au jugement dernier, tu rendras des comptes. Ça, c'est nasiha que je vous donne à vous aujourd'hui. Il y a des gens, je vois, vous fatiguez l'esprit à expliquer 15 fois les mêmes choses aux gens, notamment sur les auras du 18 degrés. Une fois, deux fois, khalas. Khalas, moi, donc son argument, il me réfute, soi-disant, avec des,
les audios de Islam ibn Ahmed, de Ayman Teher ou de Hassan Irkouissen, enfin des, ce genre de bêtises. Je lui explique une fois, deux fois, trois fois, dix fois, et à la fin, son argument, c'était presque touchant. Sincèrement, j'étais mal à l'aise pour lui. Et il me sort, de toute façon, t'es converti, hein. Je te juge pas, mais tu peux pas tout savoir. Ça m'a fait sourire, parce que c'est l'ignorant atteint du djinn murakkab qui a un souci, qui vient me questionner à la base pour les informations, qui, comme mes réponses ne lui ont pas plu, me dit ensuite, en gros, il a voulu faire une fausse bienveillance. Hein, vous avez compris, je pense que ça vous aura fait sourire aussi. Ah, allez, mon petit. C'est pas grave, hein, tu n'es qu'un converti, tu ne peux pas tout savoir, je t'en veux pas, allez, c'est pas grave, je te juge pas, et hein. Alors que c'est lui qui a besoin d'apprendre, hein. On a tous besoin d'apprendre, mais c'est lui qui avait vraiment besoin de quelque chose. Donc son grand argument pour me blesser, c'est je suis converti. Ça ne veut strictement rien dire. Je lui dis, les compagnons aussi se sont convertis. C'est pas une question de converti ou pas converti, c'est une question d'ilm. Si t'as quitté le sunna avec toi, converti, pas converti, ça veut rien dire. Mais j'ai beau lui expliquer, il me dit, moi, j'ai 15 ans peut-être, je suis peut-être un enfant, mais ça fait 15 ans que je suis dans le din. Wai barak. Il dit, ouais, Kitab ou Sunna depuis 15 ans. Ah, les 5 piliers. Ah, je suis sunnite. Mais il fait pas la différence entre un soufi, un charia et un salafi. Déjà, de quel sunna on parle. Vous voyez? Mais il a pas ses règles, là. Mais il comprend pas. Faut jeter l'éponge, ça sert à rien. Une fois que tu lui expliques qu'il veut pas comprendre ce qu'est la salafia, ça sert à rien. À rien du tout. Voilà. Mais pour lui, il est meilleur que moi. Pourquoi? Parce qu'il dit, voilà, moi, musulman depuis 15 ans, toi, t'es qu'un converti. C'est pas une question de converti où il y en a, ça fait 35 ans, 60 ans, ils sont dans le din, ce sont de grands ignorants, voire des apostats. Ceci est la vérité. Ceci est le haq. J'invente rien. Pourtant, ça fait 60 ans qu'ils sont dans le din. Vrai? Non. Et il y en a un, ça fait un an, il est dans le din, il a la aqida sahiha, il est à fond dans la religion et il est mashallah parmi les sunnis. Il n'y a pas de converti, pas converti, de blanc, de ceci. C'est l'argument. Moi, c'est ce qu'on me donne comme argument. Hein. Mais contre vous, il doit y en avoir d'autres. Oui, tu es converti, tu ne connais rien, ou alors tu es tatoué, ou ceci, ou cela. Ou on connaît ça de toi. Ça veut rien dire. Il y a le repentir. Quand on m'accuse finalement d'être, c'est presque une accusation, au lieu d'une réjouissance, on m'accuse d'être converti, ça veut dire quoi? On me dit, à toi, il y a 5-6 ans, tu faisais du shirk et du kufr, et alors? Je me suis repenti. Quand tu te repens, tu souffres plus de cette chose-là, tu y repenses, je repense à mon kufr, j'en suis bien sûr pas fier, et je demande à Allah de me raffermir, mais tous les jours. Là, je repense à mes tatouages, et je me dis, c'est une belle bêtise que j'ai faite, effectivement, j'en suis pas fier, vous comprenez? Mais j'ai pas à rougir de mon parcours, comme vous n'avez pas à rougir du vôtre. Hein? Regretter, c'est une chose, mais se flageller, non. Et puis tenir compte des paroles des gens. Hein? Ils veulent te faire culpabiliser d'être un converti. Non, alhamdoulilah, au contraire. Hein? Vous voyez la notion entre, comment dirais-je, entre survoler ses péchés comme si c'était pas grave, dire, oh, moi j'ai forniqué, de toute façon c'est pas grave. Oh, j'ai les tatouages. Oh, j'en aurais bien refait un d'ailleurs. Hein? C'est très bien. Machallah, les tatouages. Ah, converti, converti ou pas converti, c'est pareil. Hein? Moi j'étais bien guidé avant. Alors là, celui-là qui pense comme ça, c'est un égaré. Faut avoir conscience, excusez-moi. Faut avoir conscience de la gravité de ses erreurs, sans pour autant se scarifier tous les jours. Et encore moins tenir compte des paroles des gens frustrés, ignorants, qui viennent vous piquer pour des choses qui sont passées, quoi. Eh, le repentir, il est fait, khalas. Ils sont très étonnants, ils pensent toujours piquer des gens comme moi. Ah, mais tu es tatoué. Et alors? Ils sont persuadés que je vais m'écrouler en larmes, que je vais pleurer, enfin, que je vais apostasier, peut-être, je sais pas, c'est ce qu'ils veulent. Ils sont persuadés. Mais tu sais que t'es qu'un converti, toi? Oui, je sais encore comment je m'appelle, à quelle date je me suis converti, merci, oui. Vous imaginez si on aurait dit ça à Omar? Hein? Il est dans les 10 promis et promis au paradis. Et on lui dit, oh, tu es qu'un converti. Il va rire. C'est quoi cet argument? Moi, je pensais que c'était Tawhid, Sunna, non, c'était converti, t'es pas converti. Donc, ils ont cette notion de pseudo-héritage religieux. Voilà. Mon père était musulman, je le suis aussi depuis que je suis né. J'ai plus de légitimité que toi. Ça, c'est du kibl. Et avec du kibl, on comprend pourquoi un frère comme le petit frère de tout à l'heure, quand Allah le guide et nous guide, il peut pas comprendre la religion. Et il est perdu. Vous comprenez? C'est avec des voix comme ça. Et pourtant, Allah est témoin. 10, 15 fois, je l'ai exhorté, il ne veut rien comprendre. À la fin, on est obligé de bloquer les gens. On en a réduit à ça, vous imaginez? Obligé de bloquer parce qu'il ne veut rien écouter. Et la polémique ne fait pas partie de la religion. La polémique ne fait pas partie de la religion. L'explication. Et si quelqu'un ne peut pas comprendre telle ou telle règle dans le dîn, mes frères et sœurs, vous devez de couper court avec cette personne-là. Bloquer, ça c'est moi qui bloque, parce qu'après, la personne, non seulement tu lui dis salam alaykoum, mais continue de parler. Donc c'est fatigant. Et que les gens ne sont même pas éduqués, tu leur dis salam alaykoum, ils ne savent pas juste répondre alaykoum salam. Certains, oui, j'en ai croisé rarement des gens qui savent juste dire alaykoum salam lorsque tu clôtures une discussion. Il y en a, ils te renvoient des messages tous les jours, bon, ça sert à rien. Vous, c'est pareil. Vous expliquez une fois, deux fois, trois fois, c'est déjà énorme.
La personne dit oui, mais non, mais moi je. Salam alaikum. Après, me dites pas, mais achi, j'aurais voulu lui montrer la vérité, c'est triste. Allah, il guide, il égare qui veut. Si le cœur il est scellé, tu peux rien faire. Vous comprenez? Non. Ça sert à rien, comme dirait Man. Ça sert à rien. Donc, ça c'était la parenthèse sur le repentir et le pas désespérer, Naam, et toutes ces règles autour. Wallah, allez. Il s'est donc pendu, le traître, il s'est repenti. Naam, avant cela, s'il s'était repenti, dit Aïssa, Allah lui aurait pardonné. Puis il interrogea à propos du jeune qui les suivait et qui se nommait Yohanna. Il a dit, il est avec vous, partez et chacun d'entre vous parlera la langue d'un peuple afin de les avertir et de les appeler à Allah. Al-Hassan al-Basri lui le rapporte, lorsque Aïssa fut élevé, il avait 34 ans. On parle de cet âge-là, la fin de sa vie terrestre. Dans le hadith, on rapporte les habitants, donc un hadith qui rapporte donc les habitants du paradis entreront imberbes et les yeux fardés de Khol. Et ils auront tous 33 ans. Tous 33 ans. Et dans un autre hadith, à l'âge de Isa, donc les gens qui entreront au paradis, et avec la beauté de Youssouf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous imaginez ? Pourquoi 33 ans ? L'âge de Aïssa, 33-34, Naam, c'est l'âge de maturité, la pleine fleur de l'âge, comme on dit. C'est vraiment cet âge-là où on est, on va dire, au meilleur de soi-même. Allahu Ta'ala, Alim. Naam. Ni trop jeune, ni trop vieux. Naam. Une sagesse, mais pas de forme et de signe de vieillesse. Naam. L'âge de maturité, comme on dit. Alhamdulillah. Le meilleur âge. Et la beauté de Youssouf, incomparable et inimaginable. Naam. Hammad ibn Salama rapporte, d'après Saïd al-Musayyib, Aïssa est élevé à l'âge de 33 ans. Quant au hadith rapporté par al-Hakim dans al-Mustadraq et Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi dans al-Takhir, d'après Aïcha, radiallahu anha, qui dit Fatima m'a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Chaque prophète n'a vécu que la moitié du temps du prophète qui l'a précédé. » Et Isa ibn Maryam a vécu 120 ans, ainsi je pense que je vais mourir à la soixantaine. Mais ceci est un hadith rejeté, étrange, munkar. Naam, donc on n'en tient pas compte. Naam, dire que Isa a vécu 120 ans, ce n'est pas correct. Quant à dire le prophète Isa ibn Salem va mourir à la soixantaine, c'est une vérité. Naam, c'est une vérité. Mais le hadith est munkar, on ne peut pas en tenir compte pour autant. Al-Hafiz ibn Asakir a dit ce qui est authentique est que Aïssa n'a pas atteint cet âge, l'âge susmentionné, mais qu'il a uniquement voulu montrer le temps qu'il passa dans sa communauté, ainsi que l'a apporté Sufyan ibn Uyayna d'après Fatima. Le messager d'Allah m'a dit Aïssa ibn Maryam est resté 40 années, plus ou moins, parmi les Bani Israël, mais la chaîne de transmission de ce hadith s'est interrompue. Et Ibn Jarir et Thawri rapportent également, d'après Ibrahim, Aïssa est resté dans son peuple pendant 40 ans. On rapporte du commandeur des croyants, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib, que Aïssa fut élevé la 22e nuit du mois de Ramadan. Et c'est également en cette nuit que mourut Ali, 5 jours après avoir été poignardé. Poignardé par qui ? Khawarij, les takfiris de l'époque. Non, ce sont eux qui ont tué le compagnon Ali, et il est mort 5 jours après avoir été poignardé des suites de ses blessures. Ad-Dahak rapporte d'après Ibn Abbas, lorsque Aïssa fut élevé au ciel, parce que Aïssa fut élevé au ciel, donc a priori dans cette nuit de Ramadan, un nuage s'est approché de lui jusqu'à ce qu'il s'assoie dessus. Mariam vient lui faire ses adieux et elle pleura. Puis, il fut élevé sous son regard. Aïssa lui jeta un de ses vêtements et lui dit « Ce sera un signe entre toi et moi au jour de la résurrection. » Il jeta de même son turban à sa mère. Sa mère lui fit ses adieux en lui faisant un signe de la main jusqu'à ce qu'il disparaisse. Elle l'aimait profondément. Elle l'aimait profondément car il lui accorda tout l'amour qu'on donne aux deux parents, puisqu'il n'avait pas de père. Donc il donna l'amour du père et de la mère, mais tout vers sa mère. Non. Elle ne le quitta jamais, même en voyage, et elle était, comme a dit le poète, « Une heure loin de toi était comme la mort, alors que dire d'une séparation jusqu'à la résurrection ?» Le poète dit « Une heure, pour un être cher, une heure loin de toi est comme la mort, alors que dire d'une séparation jusqu'à la résurrection ?» Et elle pensait ça de son fils, Aïsselem. Non. Ishaq ibn Bishr rapporte d'après Mujahid ibn Jabr que lorsque les juifs crucifièrent cet homme qui leur semblait être le Messie, à tort, et que la plupart des chrétiens dans leur ignorance les ont crus, ils s'en prirent alors à ses compagnons, qu'ils tuèrent, frappèrent et emprisonnèrent. Naam.
Leur cas parvint à l'empereur romain, qui était aussi le roi de Damas à cette époque. Et on lui rapporta que les juifs s'en prenaient aux compagnons d'un homme dont on disait qu'il était le messager d'Allah, qui faisait revivre les morts, soignait les malades et accomplissait des miracles. Mais ils l'ont combattu, l'ont tué et ont humilié ses compagnons et les ont emprisonnés. Il les fait donc venir. L'empereur les fit donc venir. Et il y avait parmi eux Yahya ibn Zakariya, Sama'an et autres. Et il les interrogea à propos du Messie. Ils l'informèrent à son sujet, l'arme, et il leur prêta allégeance sur leur religion, secourut leurs propos et imposa la vérité aux juifs. Et ainsi les chrétiens prirent le dessus sur eux. Il fit enlever de son tronc l'homme crucifié. On apporta le tronc, l'arme, et il le vénéra. Et c'est depuis que les chrétiens vénèrent la croix et que la chrétienté est entrée dans l'Empire romain. Ça, c'est pour l'histoire. L'arme. Enfin, c'est une des histoires, notamment rapportée par Mujahid ibn Jabr. Il y a d'autres versions, vous savez, dans les récits des gens du livre rapportés d'un tel et d'un tel. Ce n'est pas comme un hadith. C'est des suppositions. C'est des histoires. C'est des histoires, n'am, plus ou moins fiables. Et il y a différentes versions. Ça peut varier du tout au tout. N'am. On rapporte aussi que c'est un rêve. Pourquoi la chrétienté, elle est rentrée dans l'Empire romain comme ça. N'am. Il y a cette version-là pour dire que c'est un empereur romain qui a entendu parler, du cas des compagnons torturés, frappés, tués pour certains, emprisonnés, et donc qu'il a voulu les rencontrer, lui expliquer qui ils étaient, et qu'est-ce qu'ils ont fait à Issa. Il a adhéré à la religion, donc il serait converti, il aurait été un homme juste. À la suite de ça, il les a secourus. Dans un premier temps, il aurait été juste, mais après, il aurait dévié vers le shirk, comme on le voit très vite. A priori, puisqu'il les aurait secourus, mais en exagérant, encore une fois, le rouleau, il aurait récupéré le tronc de l'homme crucifié, et ils l'ont vénéré en dehors d'Allah, et ensuite ils ont vénéré la croix. Donc, yani, ça aurait été un cas de l'entrée du shirk lié à la chrétienté. Il y a aussi le rêve d'un empereur romain, hein, qui était déjà au courant que les chrétiens... c'est pas incompatible non plus, l'histoire que je vous raconte, elle n'est pas incompatible avec la première. Il se peut que cet empereur romain ait voulu à la base suivre les croyants, les disciples de Issa, de Jésus, vous me suivez bien, hein, puis qu'il a exagéré, puis que les gens soient tombés dans le shirk, puis que les gens soient restés dans cette religion-là des années durant. Puis ensuite, moi la version que j'avais, pourquoi ça a pris autant d'ampleur dans l'Empire romain et c'est devenu aujourd'hui la religion des gens en Europe, etc. Pourquoi c'est le christianisme en tête, et même sans que les gens le comprennent ou quoi que ce soit. Pourquoi c'est en avant? Comment ça s'est, entre guillemets, l'expression démocratisée? Et pourquoi c'est rentré partout comme ça? C'est cet empereur qui a fait un mégalo, un empereur romain qui était au courant, qui avait déjà le christianisme. Les gens qui faisaient donc ce shirk-là, qui adoraient autre qu'Allah, mais lui, il était païen. Il était païen, il a toujours cru à cette divinité païenne, il les a jamais abandonnés, celui-là. Mais, pour des intérêts politiques, j'avais déjà expliqué, il a voulu, comme ça, adhérer publiquement plutôt, Zerma, au christianisme, pour dire que ça va être la religion véridique, la religion qu'on va tous prendre, afin de rallier le peuple à sa cause, parce qu'il arrivait d'une bataille, où il aurait gagné, il y avait une croix, et il connaissait déjà les croix, les chrétiens existaient déjà, ils vénéraient déjà la croix, voilà, il a vu une croix sur les écussons, vous savez, les bannières, les drapeaux, il a fait un rêve comme ça, et il s'est dit, c'est ça qu'il nous faut, c'est ça, avec ça qu'on va faire les croisades, etc., donc purement politique, il n'y croyait pas. De toute façon, il serait passé d'un shirk à un autre. Il serait passé d'une arme de divinité païenne à l'adoration d'un prophète. Même si c'est un prophète, c'est du shirk. Donc, il serait passé de toute façon d'un mal à un autre mal. Donc, il n'y avait aucun bien. Ça, c'est aussi une version qui n'est pas incompatible avec la première. Là, ils disent, c'est comme ça que la chrétienté est entrée dans l'Empire romain. Moi, je vous dis comment elle s'est répandue. C'est une version-là que j'ai retenue et c'est ce que je crois. Allah Alam, bien sûr, c'est aussi des récits et ceci et cela. Mais c'est... Tout ça, c'est discutable. Hein. Ma version, celle qui est dans le livre, c'est discutable. C'est très discutable. C'est des historiens, il faut revenir, c'est des théories. Non. Et Ibn Kathir dit cela. Pas ma thèse à moi, mais la thèse de l'homme qui se serait rangé du côté des suiveurs de Issa, puis ensuite qui aurait vénéré Issa. Donc l'entrée du christianisme dans l'Empire romain, c'est discutable de plusieurs points de vue. Premièrement, parce que Yahya ibn Zakaria est un prophète. Et il n'a pas confirmé que l'homme crucifié était Issa, car il est préservé de l'erreur et c'est parfaitement ce qu'il s'est réellement passé. Là. Deuxièmement, les Romains n'ont adopté la religion du Messie qu'après 300 ans. Là. Les Romains n'ont adopté, ça c'est Ibn Kathir qui dit, donc qui réfute finalement le récit de Mujahid,
les Romains n'ont adopté le christianisme qu'après 300 ans. Donc à l'époque de Constantin ibn Constant. Vous l'aurez reconnu, je pense, si je vous dis Constantin. Vous voyez, on n'a pas l'habitude de parler comme ça, Constantin. Constantin, avec la ville de Constantinople. Hein? Ils aimaient bien comme ça, tellement mégalo, ils mettaient les noms, les noms des villes par rapport à leur Alexandrie. C'est qui? C'est Alexandre le Grand, Zarma. Le très petit pourtant, Inch'Allah Ta'ala. Le très très petit, Inch'Allah Azzawajal. Mais il se faisait appeler Alexandre le Grand, Alexandrie. Constantin, l'empereur Constantin, Constantinople, etc. Hein? Donc Constantine, ibn Constant. Donc Constantin, fils de Constantin. Et donc les Romains n'auraient adopté la religion du christianisme qu'après 300 ans, à cette époque-là, lorsque il a bâti la ville de Constantinople. Et Ibn Kathir dit, on va le rappeler après. Inch'Allah, on va l'expliquer et le rappeler après. Non. Donc, premier argument, voilà. Yahya était un prophète et il n'a pas confirmé que l'homme crucifié était Issa. Donc, le récit d'avant est bancal par rapport à cela. Et deuxièmement, on sait de sources plus sûres que les Romains ont adopté la religion bien après. Wallahu a'lam. Troisièmement, lorsque les Juifs ont crucifié cet homme, puis l'ont jeté avec son morceau de bois, ils ont fait de cet endroit un dépotoir à ordures. Ce qu'ils ne respectaient bien évidemment pas, ce qu'ils venaient de faire, mais le respect ni pour les morts, ni quoi que ce soit, ce sont des gens impurs. Ils ont fait donc un dépotoir de cet endroit. Ils ont mis impureté et carcasse de bêtes mortes. Et cela resta ainsi jusqu'à l'époque de Constantine. Je vais le prononcer en français plutôt, hein, j'ai du mal. Constantine. Constantin, ceci est resté à l'époque de Constantin, où sa mère, Hélène, déterra cet homme, croyant qu'il s'agissait du Messie. Ils trouvèrent alors le bout de bois, et on dit qu'il ne fut nullement rongé. Et Allah est plus savant quant à savoir si cela est vrai ou non. Encore une fois, ce sont des récits. Cela s'est-il passé car cet homme qui donna son âme était un homme pieux? Ou cela fut-il une épreuve adressée aux chrétiens de l'époque? Ils vénérèrent alors, en dehors d'Allah, parce que du temps de Isa, ils vénéraient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après, ils ont renié Isa. Comment ça, renier? Ils ne l'aiment plus, ils ne le suivent plus. En fait, oui, ils ne l'aiment plus, ils ne le suivent plus dans les faits. Ils l'ont adoré en dehors d'Allah, donc c'est plus de l'amour. Et c'est plus du suivi, vous comprenez? Et Isa, ce serait désavoué de cela. Et il va se désavouer lorsqu'il va revenir avant et en monter à ma, vous comprenez? C'est pour ça qu'il a dit, il y en a parmi vous qui vont me renier. C'est pas ils vont l'oublier, ils vont dire on le déteste, on le combat, non. Ils vont tomber dans shirk ou billah azza wa jal. C'est pour ça. Est-ce que, si c'est vrai, le fait que cet homme-là soit encore intact, c'était parce que c'était un homme pieux, Allah l'a préservé d'être mangé, rongé, ou alors cela fut une épreuve adressée aux chrétiens de l'époque pour dire, ah regardez, c'est Aïssa, ah il faut l'adorant dans Allah, il faut le vénérer. Les chrétiens de l'époque, ceux qui ont dévié, ceux qui ne sont pas restés sur le dogme authentique. C'est comme les épreuves aujourd'hui, les gens se disent, pourquoi il y a des sectes, Yahri? Pourquoi il y a des sectes? Pourquoi il y a tel courant? Pourquoi il y a telle erreur répandue dans la communauté? Je ne comprends pas, où est la sagesse? Alhamdulillah, il y a ça, pour qu'Allah, fasse le tri, comme on a déjà dit. C'est une épreuve. C'est une épreuve, mes frères et sœurs. Afin de savoir qui va s'attacher à la vérité, qui va rester sur le dogme authentique, as-salafiyya, tawhid wa sunnah. La compréhension des compagnons, le dalil, l'amour du dalil, qui va s'attacher à ça? Comment on dit? Le littéralisme. Le littéralisme, c'est Allah a dit, son messager a dit, je cherche la source, le littéralisme. Ou qui va s'attacher aux fables, aux contes, aux poètes soufis, aux traditions, aux rêves, soi-disant des rêves, un peu comme ça, et je sais, j'ai rêvé que... Les soufis, tout ça. Qui va dévier? Qui va faire de sa religion une pratique d'hérétique? Et qui va s'attacher à la tradition prophétique? Qui? C'est pareil. Parmi les chrétiens à l'époque, qui va vénérer cet homme-là en dehors d'Allah et qui va rester fidèle au Messie? Vous comprenez? Fidèle au Messie, donc fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pareil. Allah a toujours éprouvé ses créatures. Les gens qui se disent croyants et les menteurs. Et nous, on est au milieu de ça aujourd'hui. On a des apostats, on a des hypocrites, on a des grands ignares, on a des passionnés, on a des sectaires, on a des égarés, on a des pervers, je ne sais pas si je l'ai dit. Non, on a tout ça. Et au milieu de ça, Inch'Allah, on a quelques personnes pieuses qui s'attachent à la vérité. Vous comprenez? Et en petit nombre, hein, comme les chrétiens qui ont résisté, les vrais suiveurs de Isa, en petit nombre. Hein. Donc, wallahu a'lam, toujours est-il que l'épreuve adressée aux chrétiens, Naam, a été de taille. Ils vénérèrent ce morceau de bois et le recouvrirent d'or et de pierres précieuses. Donc, c'est le premier crucifix, en vérité. Ce qu'on a aujourd'hui, ils ont des chaînettes, ils ont des... dans les voitures, dans les maisons, dans les églises, partout.
ils en mettent au rond-point. Oui, les ronds-points et les ronds-points. Les ronds-points, les intersections, dans certaines campagnes de France, on en voit partout. Tu passes, il y a des croix partout. Non. Ben, la première croix, c'est ça. C'est ça. C'est le morceau de bois où il y avait soi-disant l'homme dessus et recouvrir ça d'or et de pierres précieuses. C'est depuis cette époque, en fait, que les chrétiens emploient des crucifix et cherchent la bénédiction dans cette forme et qu'ils les embrassent. Soit un endroit. Hélène, la mère de Constantin, du roi Constantin, Constantine, Naam, ordonna qu'on enlève ces ordures et qu'on bâtisse. Parce que ces ordures, Naam, c'est sale pour un endroit où il y aurait eu la mort du Messie. Donc à la place qu'on bâtisse à cet endroit une immense église. Voilà. Donc à cet endroit-là, il y aurait une immense église ornée de ce qui existait de plus précieux à l'époque. Et cette église est connue à l'époque. Elle est connue à notre époque à Beit el-Maqdis. Et on la surnomme El-Qumam Ordua, en raison de ce qu'il y avait à cet endroit. Hein? En raison de ce qu'il y avait avant à cet endroit, Ordua, El-Qumam. Et c'est une mosquée, astaghfirullah, une église qui se trouve encore à Beit el-Maqdis. Alors que eux, les gens qui adorent en dehors d'Allah, la surnomment El-Qiyama, c'est-à-dire le lieu à partir duquel le corps du Messie sortira. Ensuite, Hélène ordonna qu'on mette les ordures et les immondices du pays sur le rocher qui est la Qibla des Juifs. Il en fut ainsi, jusqu'à ce que Omar al-Khattab libère Beit el-Maqdis et qu'il balaye de son vêtement les ordures et purifie les lieux des immondices et des impuretés. Il ne plaça pas la mosquée derrière le rocher, mais devant. D'accord ? Là où le messager d'Allah accomplit la prière en compagnie des prophètes, la nuit du voyage nocturne, et c'est donc la mosquée El-Aqsa, la fameuse mosquée El-Aqsa, à cet endroit-là. Naam. Bon, dans toute la région, comme vous savez, Jordanie, Palestine, etc., tous ces endroits-là, au niveau du Sham, Naam. Ce qui aujourd'hui, bien sûr, envahi, combattu par les injustes, et vous connaissez l'histoire d'actualité, Naam. Donc voilà un petit peu pour l'histoire, la pseudo-crucifixion, l'élévation, et puis après les différentes factions chrétiennes qui se sont égarées dans le suivi ou non de Issa et tel empereur, etc. Wallah a'lam, j'espère que ces informations vous auront été bénéfiques, vous en avez appris un petit peu plus. Et Inch'Allah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que le chapitre est terminé, donc on reprendra. Je crois que c'est le dernier chapitre la fois prochaine, Wallah a'lam. Non, il reste plusieurs petits chapitres, mais c'est vraiment léger. Hein. Il nous reste à peine 10 pages là. Donc je pense qu'on. Un dernier cours et ce sera tout. Normalement. Un voire deux, mais vraiment, Yanni, si vraiment on prend du temps. Voilà. Pas plus. Non. Ensuite, très sincèrement, je réfléchis déjà à quel prophète. Quelle histoire prophète on va faire. Non. Bon, Allahu a'lam. Peut-être Suleyman, peut-être Ayoub, peut-être Younous, peut-être Youssouf. Ça va être entre ces quatre-là, Wallahu a'lam. On reprendra donc à page 473 avec description et vertu de Issa. Description et vertu de Issa. Non. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanaka humma wa bihamdik shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Est-ce que vous avez des questions, inshallah ta'ala? Wa barakallahu fikum. Pas de questions. Non. Oui. Donc demain, Inch'Allah, 16h. J'essaierai d'être à l'heure cette fois-ci. 16h pour un nouveau cours. Boulou al-Mahram, livre de la prière. Voilà. Mercredi 30 mai, Inch'Allah, ta'ala, 16h. Naam. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.